Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Coolo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos du skin légendaire Le Prisonnier. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer comment débloquer l'étape numéro 3 de la tenue du prisonnier. Donc si tu kiffes la vidéo n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner et c'est parti, let's go! Ce que je vous conseille pour faire cette étape, c'est d'aller en discrétion totale parce que franchement, je vous assure qu'il y a blindés de monde qui veulent allumer le feu de camp en premier. Donc choisissez un autre mode de jeu, comme ça vous serez plus tranquille pour le réaliser. Alors ce que vous devez faire, c'est tout simplement allumer un feu de camp et le feu de camp que vous devez allumer, il est ici, plus ou moins. Donc voilà, c'est sur cette montagne, entre au-dessus de Paradis Palm et en dessous de Retiro. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir grand monde, j'aurais peut-être une chance de pouvoir l'allumer tranquillement. J'entends quelqu'un juste à côté de moi, il est plus bas que moi. Non, non, l'enfoiré, il l'a allumé avant moi. Bon, en tous les cas, vous voyez l'emplacement, regardez son bras. Il s'est, il a évolué, il s'est déverrouillé. Donc voilà, depuis la mise à jour, on peut allumer un feu de camp. Donc regardez, là, je peux le rallumer. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Voilà, je me suis fait tuer. Mais bon, vous avez bien vu qu'on peut réallumer le feu de camp. Donc n'hésitez pas à attendre autour du feu de camp pour justement le rallumer et pour débloquer votre étape numéro 3. Alors faites juste attention de ne pas vous faire tuer. Donc maintenant, je vais vous montrer que j'ai bien débloqué l'étape numéro 3. Et voilà, comme vous pouvez le voir, étape numéro 3 validée. Donc maintenant, je vous le montre d'un tout petit peu plus près. Donc regardez, c'est les deux cadenas des bras qui se sont ouverts. Donc il restera encore celui de la ceinture et celui du sac à dos. Donc là, je m'en suis pas équipé, mais voilà, le sac à dos aussi a un cadenas. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soir Coolo Mike et ciao, peace.